Où on a essayé de modéliser notre méthodologie en phase d'émergence dans un projet de méthanisation, qui est la première étape de notre modèle. Donc d'apporter des éléments méthodologiques pour des collègues, chambres d'agriculture et autres, qui pourraient éventuellement accompagner des collectifs d'agriculteurs, donc leur donner une sorte de boîte à outils, une méthodologie, leur permettant d'accompagner un agriculteur ou des collectifs d'agriculteurs dans cette aventure méthanisation. Deuxième phase, c'est la co-construction, où là aussi, même objectif, on a essayé de modéliser une méthode dans cette phase de co-construction. Comment on fait une fois qu'on a un collectif d'agriculteurs qui souhaite aller vers la méthanisation avec un projet bien défini, et bien, quelles sont les démarches, les étapes, comment s'y prendre pour aller démarcher des constructeurs, aller chercher en fait finalement la machine qui va coller au projet qu'on a élaboré avec ce collectif. Il y a un troisième volet dans le CASDAR Meta Plus, qui est un volet plus scientifique. C'est un volet qui vise en fait à mieux connaître les digestats, parce qu'il n'y a pas un digestat mais des digestats, puisqu'il y a des rations, des unités de méthanisation. Sur le département, on a des digestats liquides bruts, on a des digestats solides de refus de séparation de phase, on a des digestats issus d'évapoconcentration, donc on a toute une variété de digestats. Et ce qui nous semblait important dans le CASDAR, c'est d'aller un peu plus loin dans la caractérisation de ces digestats. Parce que la première question que nous posent les agriculteurs, c'est très bien, j'apporte du fumier dans une unité de méthanisation, mais derrière le digestat que je vais en ressortir, quelle propriété il va avoir, comment je vais l'utiliser. Et nous, notre objectif, c'est d'avoir une boîte à outils, encore une fois, qu'on a appelée boîte à outils cognitive, qui permettent en fait aux porteurs de projets, non pas d'être des spécialistes agronomes, mais d'apporter des éléments de réponse sur un digestat c'est quoi et comment ça s'utilise.